Samedi 23 mars s'est tenu le premier marché des créateurs et producteurs de La Réunion sur le site de la Falaise à Saint-Leu. Ouvert au public de 18h à 22h, le concept de ce marché nocturne est de proposer une vitrine des créations d'artisans, d'artistes et des petites productions locales traditionnelles. Les producteurs et les créateurs de toute La Réunion sont invités à venir sur ce marché, présenter leur production personnelle. D'accord. Donc il y a une charte du marché. Chaque exposant s'engage à ce que tout ce qui est amené sur le marché, c'est sa production personnelle. Donc même au niveau du textile, alors il n'y a pas de filière textile à la Réunion, mais le dessin, le stylisme du vêtement est créé ici. Donc il n'y a pas de marchandises importées sur ce marché. Je me suis aperçue aussi que quand je me baladais dans le marché, je voyais les touristes, ils s'intéressaient à plein de choses, mais ils n'avaient aucune idée de qu'est-ce qui était réunionnais, qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qui était vraiment l'identité de La Réunion. Et je me suis dit, autant allier l'élan créatif nouveau et les racines. C'est-à-dire qu'on aura, tout ça, c'est les racines de La Réunion, c'est les petits producteurs. Les Réunionnais, ils retrouvent ce qu'ils ont connu depuis longtemps et qui passe inaperçu finalement au milieu de stands où il y a de tout. Les stands qu'on peut trouver. Voilà. Il y a des notions écologiques aussi que je voudrais faire passer. Je voudrais que ça devienne, que ce soit le plus possible un événement propre. Donc, j'entends peut-être du covoiturage, des choses comme ça. En tout cas, on essaie de gérer au mieux tous les déchets du marché. Combien de stands vous pouvez accueillir et combien de stands il y a ce soir d'ailleurs à la fin? Alors, ce soir, nous avons 38 stands. 38. Nous avons donc, après, comme il y a de la restauration, puisque c'est pour passer un moment convivial, en famille, entre amis, donc il y a de la restauration, il y a 5-6 stands de restauration, parce que le principal, c'est pas un lieu pour venir manger, mais qu'on puisse manger, c'est une possibilité. Là. Ou alors, c'est de la création culinaire. D'accord. Par exemple, on a des macarons faits ici, donc le macaron n'est pas une spécialité réunionnaise, mais avec les fruits de La Réunion. Et on a eu ce soir un macaron spécial, premier marché des créateurs et des producteurs locaux. C'est génial. Donc je suis très fière. Bonjour Sandrine. Bonjour. On vient de discuter donc avec Nadine, la responsable de cet événement. Donc pour ceux qui nous regardent, elle nous a parlé d'un macaron spécial créateur. Effectivement, pour ce soir, pour l'événement, en fait, on a fait des macarons spéciaux. Donc, comme vous pouvez le voir là, oui. La Falaise Saint-Leu, premier marché des créateurs et des artisans locaux pour marquer l'événement et faire de la pub. Comme ça, les gens, ils peuvent repartir avec des macarons spécial. Imprimés. La Falaise spécial Saint-Leu. Créateur. Expliquez-nous comment des macarons sont si bons. Peut-être par rapport aux ingrédients. Donc, on a de la poudre d'amande, oui. Du blanc d'œuf, du sucre et après tous les arômes par rapport aux fruits qu'on a à La Réunion, quoi, comme litchi, goyavier. C'est du local. Ah oui, 100% local. 100% local. Tout est fait à La Réunion. C'est parfait. Je pense que je vais en goûter un, puis je vais vous laisser et puis on va aller faire un tour sur les autres stands. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci bien. Délicieux. Délicieux.